bien peu de choses. Et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Alors je suis né, baptisé de rosée. Je me suis épanoui, heureux et amoureux. Au rayon du soleil, me suis fermé la nuit, me suis réveillé vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Toi le Dieu qui m'a fait, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon ami la rose est morte ce matin. Eh bien bonjour, donc après ce court extrait de cette très belle chanson de Françoise Hardy, Mon ami la rose, eh bien on va évoquer ensemble l'arrangement. Alors en premier lieu, comme d'habitude, enfin quand c'est pas trop catastrophique, j'essaye de vous présenter les chansons dans leur tonalité d'origine. Donc en l'occurrence, sol mineur pour cette chanson. Donc j'ai mis capo 3 avec présentation en gris, c'est ce que vous retrouvez chanson et guitare en mi mineur. Mais une fois de plus, le conseil reste le même. L'important, c'est de choisir la bonne tonalité pour votre voix. Moi, je me mets de temps en temps un petit peu en difficulté pour le fun, mais ce n'est pas ce qu'on doit faire. On doit trouver sa tonalité pour exprimer au mieux les chansons que vous choisissez. Donc voilà, donc en sol mineur, pour la suite de l'histoire, d'ailleurs, je vais enlever le capot. On travaillera en mi mineur, tout simplement, pour travailler. Alors, l'objectif de cette vidéo, rappelez-vous, c'est une rythmique, une chanson. Donc, on ne va pas détailler ensemble ici. Vous le retrouverez sur la version club de chansons et guitare, les deux arpèges que j'ai mélangés dans l'histoire, les petits gimmicks RPG du début. Je vous ai choisi, pour accompagner cette chanson, la rythmique que l'on va voir ensemble dans un instant. Et l'idée va être de faire sur le premier couplet uniquement des descentes. Allez, on voit ça ensemble tranquillement. Allez, donc un premier arrangement qui va vous permettre de chanter cette chanson dès votre prochaine veillée de samedi soir. Il n'y a pas de souci, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, sur le premier couplet, on va juste faire des descentes. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Alors, je suis né, baptisé de rosée, et ainsi de suite. Donc, sur ce premier couplet, on va juste descendre. L'accord, hein, juste une descente, tranquillos. Et bien sûr, tout doit passer dans la voix, mais un peu comme ça se passe pour Françoise Hardy dans son original, même si elle a des petits gimmicks derrière, mais globalement, ça se passe dans la voix. Donc, uniquement des descentes sur ce premier couplet. Et en fin de parcours, la rythmique qu'on va utiliser pour tout le reste, et bien ça va être 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. On peut le rendre un petit peu un peu ternaire, un tchak qui ding qui tchak qui ding, mais globalement ça monte et ça descend. 1 et 2 et 3 et 4. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Alors je suis né, baptisé de rosée. On monte et on descend tout simplement. Ne vous étonnez pas si j'ai pris le premier couplet. Je ne connais pas le texte de la chanson parfaitement, donc j'ai repris le début texte que j'ai devant les yeux. Donc on va travailler ensemble cette rythmique. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Il n'y a pas de grande difficulté, donc on va le faire quelques minutes. Ça monte et ça descend tout simplement. Allez, c'est parti pour un peu de bruitage et ensuite on y mettra quelques accords. Allez, c'est parti pour un travail en bruitage. On va bloquer les cordes. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Plus que la pulsation, c'est peut-être le sens, la manière dont on va attaquer les cordes qu'il faut travailler, puisque là, la pulsation, ça monte et ça descend.
À titre personnel, toutes les attaques sont possibles, hein, bien entendu, mais là, ici, je vais faire avec l'index, je vais faire les descentes et avec le pouce, les remontées. Bien entendu, pas avec la manière dont je vous montre, c'est juste vraiment pour que ça soit visible. Mais sinon, voilà. C'est l'index qui va s'occuper de la descente et le pouce qui va s'occuper des remontées. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que je rencontre dans les stages là, qui font avec le pouce. Il y a bien sûr plusieurs attaques possibles. Là, pour avoir quand même un frotté, je veux dire, c'est comme ça qu'il est sympa. Ici, ça serait bien d'aller chercher les descentes avec l'index et les remontées avec le pouce. Allez, c'est parti ensemble tranquillement. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Voilà, pas de piège et je pense qu'on sera d'accord ensemble de dire que c'est pas la peine d'en faire des heures, bien sûr en bruitage. Tout le monde, enfin voilà, 1 et 2 et 3 et 4 et c'est la base de l'accompagnement. Donc tout le monde, bien sûr, l'a tout de suite en main, ça monte et ça descend, il n'y a vraiment aucun piège. Ce qui va faire quand même toute l'histoire, c'est la sensibilité avec laquelle vous allez frotter vos cordes. Donc je vous encourage quand même à chercher une expression, donc c'est des zones de cordes. C'est aussi sans doute de mettre quelques mutings légers sur cette chanson. On n'est pas sur un truc très, très fort, mais des petits mutings légers, notamment sur le temps 1. On est bien peu de chance et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Alors je finis. Donc pour les mutings, hein, en fait avec le pouce là, vous allez bloquer les cordes tranquillement quand vous allez descendre. Sur ce titre, soyez vraiment dans la légèreté au niveau du jeu. Je proposerai en complément de cette rythmique sur la version club, une deuxième rythmique qui viendra s'ajouter dessus à des endroits précis de façon à amener un peu de grain et quelques notes un petit peu plus aigu, enfin quelques notes simplement individuelles, qu'on ne va pas retrouver quand on fait la rythmique complète. Mais une fois de plus, l'important, une rythmique, une chanson, c'est l'objectif de cette vidéo. Alors on va faire tranquillement quelques minutes, enfin, je ne sais même pas, 1 minute 30 on va dire. Mi mineur, la mineur, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Alors on va pas faire, on va faire par demi-temps, demi-mesure, pardon, puisque pour se rapprocher au plus de la chanson. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 sur le mi mineur, 3 et 4 sur le la mineur. Allez, c'est parti en boucle. 3. 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. La bonne chose et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Peu de choses et mon ami la rose. Allez, voilà pour cette rythmique. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on s'est dit pour ce titre? Le premier couplet, juste des descentes, on est bien peu de choses, et mon ami Larose me l'a dit ce matin. Donc, juste des descentes, et ça va fonctionner très bien. Ensuite, cette rythmique, 1 et 2 et 3 et 4, et on monte et on descend. Deux conseils par rapport à cette rythmique, pour la rendre plus intéressante. On peut la rendre légèrement ternaire au lieu d'être le faire
plutôt que les deux sont jouables, c'est vous allez amener une expression vocale différente. Donc on peut légèrement la ternériser, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas la rendre un peu blues, on va dire ça comme ça aussi. Et puis pensez à placer les mutings. Alors sur le temps 1 c'est pas mal. Si vous êtes amené dans votre façon de vous exprimer à le faire sur un autre temps que le temps 1, c'est pas un gros problème là-dessus. On l'a travaillé 1 et 2 et 3 et 4 et, hein, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai présenté, mais c'est des notions de demi-mesure, mais vous retrouverez l'explication bien sûr sur chanson et guitare. Voilà, en tout cas je pense avoir rempli mon contrat pour cette très belle chanson. Pour le coup de rythmique, on ne peut pas dire ça comme ça. Des descentes uniquement sur le couplet numéro 1 et après on part sur on est bien comme de chaud. Et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Et bien vous savez quoi, mi mineur et sol mineur, c'est aucune des deux tonalités pour moi. Donc ça me permet de boucler ce que je vous disais tout à l'heure au début. L'important lorsqu'on choisit une chanson pour son répertoire et qu'on a envie de faire profiter les autres, puisqu'on chante aussi pour les autres, eh bien la première des choses, c'est de bien choisir sa tonalité. Allez, bye bye, à très bientôt. Salut.